Japanistan est mon premier album solo. C'est un projet unique entre la musique afghane et la musique japonaise. Mon instrument, le rubab, c'est un instrument afghan. Il est très identifié dans la musique afghane et aussi très attaché au peuple afghan. Mais j'ai découvert que cet instrument peut sonner parfaitement bien avec les mélodies japonaises. Je me suis spécialisé en musique de l'Inde et de l'Afghanistan, mais je suis un Japonais qui vit en France. Je me pose souvent la question de qui je suis dans cette société et dans ce monde. Et c'est important de se renouer avec la racine du pays d'origine et de la culture. J'ai senti ce besoin de chercher des éléments japonais et intégrer dans ma musique. Japanistan, comme son nom l'indique, c'est un trait d'union entre l'Afghanistan et le Japon qui se trouve a priori assez éloigné, mais que Kengo a réuni dans son projet. C'est une musique qui vient des fins fonds des steppes afghanes. J'ai l'impression en écoutant cette musique qu'il y a un Afghan qui joue ces mélodies. C'est comme quelqu'un qui parle une langue sans accent. Et bien, quand j'ai entendu les musiques afghanes jouées par Kengo, je ne trouvais pas d'accent étranger dedans. Je trouvais que c'était vraiment très afghan. Pour l'enregistrement, je voulais garder vraiment le côté chaleureux et envoûtant de cet instrument magique. Et les prises, on a fait en situation live pour garder le côté vivant. Ce qui est important pour moi dans ma musique. Le Japanistan reste un lieu de partage et de rencontre. Et voilà, cette aventure continue à se produire sur scène. Et pourquoi pas un autre enregistrement plus tard.